sur l'épisode de ce soir que je n'ai toujours pas vu, mais je pense que vous avez vu. Laura Suiveuse, Laura Mouton, Laura s'est acharnée sur Carla, Laura aussi a parlé de Carla, Laura s'est mêlée, Manon a eu besoin d'elle, parce que Laura, c'est la meilleure amie à Manon, donc Laura, elle s'est acharnée sur Carla. C'est où tout ça? Non, mais expliquez-moi, c'est où? Parce que ça fait 3 mois que vous m'avez foutu une tête comme une pastèque. Les pseudo-blogueurs, là. Vous savez quoi? Changez de vocation, s'il vous plaît. Allez faire de la cuisine. Allez faire du jardinage. Faites de la couture. Peut-être vous serez plus doué. Mais ne vous lancez pas dans des fausses coupes ou dans des choses qui n'existent pas. Voilà. Manon, c'est ma meilleure amie. D'accord? Je l'aime d'amour. Mais elle n'a pas besoin que je la défende. Et elle n'a pas besoin de moi pour régler ses histoires. Et moi, je suis tout, sauf la fille qui se mêle des histoires des autres quand ça la concerne pas. Et en plus de ça, je... Donc, Laura Suiveuse, je vous invite à regarder mes précédentes aventures. Je suis plus la fille qui se met contre tout le monde que plutôt qui va dans le sens de tout le monde. Donc, et je ne suis personne et je ne suivrai jamais personne. Comme je le précise encore une fois, Manon, elle a ses raisons de s'être embrouillée avec Carla. Et ce n'est pas mes oignons à moi. Quoi qu'il arrive, Manon, c'est ma meilleure pote. Je l'aime de ouf. Mais comme je le répète encore une fois, je veux dire, personne, ni elle, ni moi, n'a besoin ni de l'une, ni de l'autre pour régler ses comptes avec quelqu'un. Et quand vous parlez d'acharnement, je suis désolée, elle règle ses problèmes toute seule. Donc, il n'y a pas d'acharnement. Elles se prennent la tête toutes les deux et c'est leurs oignons, en fait. Je ne vais pas prendre la parole là-dessus, mais ça fait quand même depuis la fin du tournage où on m'a inventé clairement une personnalité que je n'ai jamais eue. Donc de suiveuse, de meuf qui se met à plusieurs pour soi-disant prendre la tête à quelqu'un. Je crois que j'ai jamais eu besoin de ça. Je vous invite à regarder mes précédentes aventures. Et bref, donc du coup, bah, franchement, contente que vous ayez pu voir. J'espère qu'il y en a certains qui se rendent compte ou peut-être qui sont cons. Et que, clairement, moi, je conçois qu'on ne m'aime pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'il y a des blogueurs qui ne m'aiment pas. Comme je vous ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais allez-y, jugez-moi sur mon caractère de merde, sur le fait que je gueule souvent, si vous voulez. Ne m'inventez pas une personnalité que je n'ai pas, s'il vous plaît. Comme, hein, on ne va pas aller jusque-là. Bref, tout ça pour vous dire, peace and love. C'est de la télé, on se détend. Et plein de bisous, hein, cordialement. Et aussi parce que je reçois pas mal de messages en me disant ouais, t'as Jooms, la regarde, t'es en galère, elle te propose pas d'aller chez elle, je sais pas quoi. Alors vous inquiétez pas pour nous, hein. Manon m'a déjà proposé donc d'aller chez elle. C'est juste que vu qu'on veut pas rester dans la région, c'est pour ça que je ne vais pas chez elle. Donc aussi, n'essayez pas d'inventer je sais pas quoi, voilà, hein, y en a un petit peu marre. Voilà, cordial.